C'est des câbles qui traînent et qui sont pas du tout utilisables. Pratique ça. Juste le temps que je branche la manette. Salut Tagnar! Oh, merci pour les abonnements, c'est adorable! Oh, merci! C'est adorable, mec! Merci beaucoup! Comment vas-tu? Oh, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5! Oh là! J'espère que ça va pas te faire un trou dans le mois. Trop important, en tout cas. Bah écoute, ça va, merci. Change le titre du stream. Là, on essaie. J'essaie de pas mourir de cette scolarité. Alors, comment ça se passe de ton côté, Twitch? Hogwarts. Hogwarts. Je sais pas pourquoi je dis guard. Hop. Hop. Voilà. Il a quand même la coupe bien coupée, bien nette derrière. Hein. Alors, ça donne quoi de ton côté? Dis-moi tout. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de venir, désolé. Désolé, désolé. La visite des braconniers. Oh. On va aller voir ça. Ok. On va passer par là. Attends. Ah, c'est à l'extérieur. Ok. Hop. Je vais regarder s'il n'y a pas un défi pour le sort de lévitation. Ah, il n'y a pas de souci. Je te demandais comment ça se passait de ton côté sur Twitch. Que tu streams bien plus que moi, hein, malgré que tu es arrivé après moi, je crois. Et t'es passé bien devant moi. Hein. Donc GG déjà. Et toujours sur du pas Empyrion? Ouais, franchement, j'ai vu les stats, c'est pas mal, c'est vraiment très propre. GG. Parce que je sais que j'en ai un, bon, il est pas là sur le stream en ce moment, mais il joue à Empyrion assez régulièrement aussi. Putain, le chargement des fois, il est long. Alors, le truc de lévitation, il est où déjà? Le truc de lévitation, il est pas là. Je me serais raté. Ah merde. Les gars, traînez pas dehors vu l'heure qu'il est, merde. Rentrez chez vous. Rien à foutre dehors, gars, bande de cons. Pour lancer Spaceborne. Ah, j'ai vu la vidéo de Danfield sur le jeu. Il a l'air vraiment pas mal. Hein. Il a l'air vraiment, mais vraiment pas mal du tout. Très intéressant. Et il me donne l'impression. Alors, il y avait un jeu que je voulais, que j'attends sa sortie. Et m'y a fait penser, en fait. D'une manière un peu plus restreinte. Qui est. Merde, j'essaie de retrouver le jeu.
liste de mes envies était par là. Je l'ai là, je l'ai raté, ok. Non, 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 non plus. Earth from another sun. Je sais pas si après il y a qu'un développeur. Oui, bah oui. Je sais pas si tu connais le jeu. Non, le jeu est bien. Il a l'air d'être vraiment très bien foutu, très bien travaillé. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il soit tout seul. Apparemment, le premier a été très bien reçu. Attends, je te file le nom du jeu, bien sûr, le truc qui revient en arrière. Normalement, il devrait sortir cette année. Pour ceux qui veulent voir de quoi je parle, tenez, c'est le nom du jeu. C'est une seule et même personne. Non, franchement, le Spaceborne 2, ouais, franchement, il dégage quelque chose de vraiment intéressant. Ouais, bah après, c'est normal hein, qu'il y ait des bugs hein, à l'heure d'aujourd'hui. Vu la taille du jeu, vu la taille du projet. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que il y a un tel engouement que le mec, il y a un sacré défi derrière. Quand t'as des Danfield, des Dr. Orff qui le lancent, qui en font des grosses vidéos à chaque fois. Donc ouais, franchement, le mec, il a l'air de bien gérer son dossier. N'avait pas l'air bien quand tu es parti. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnu dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolé, Poppy. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. Que tu veux les retrouver, j'attends aussi. Tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie. Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. Alors je me tais, c'est tout simplement parce que bah il y a du scénario, donc voilà. Allons parler aux centaures. Les seules fois où je les ai croisés, ils n'ont pas été agressifs envers moi, donc j'ai pas de raison, hormis avec elle, mais ça n'a pas duré, donc voilà. On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tension entre eux et les sorciers. Oui. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Ok. Je te préviendrai dès que j'aurai... Non, mais c'est bon, j'ai compris, ta gueule. Ouais. Spaceborne, il est sorti hein, de ce que j'ai compris, hein. Spaceborne. Que là cette année, si je fais pas gaffe, Spaceborne, ah ouais, à 20 € sur Steam, donc il doit pas être trop cher. Moi, ça me dérange pas le solo, vraiment, ça me dérange absolument pas. Ça me permet d'avoir un truc un peu plus scénarisé que des fois le multi, bon. Ce que je reproche un peu au multi, c'est que des fois on cherche forcément le glitch qui te permet de passer au travers. Et bon, c'est chiant. Puis multi, tu refais les choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Pareil, encore une fois, c'est un élément qui me casse les pieds au bout d'un moment. Alors, on fait laquelle des deux? Dans l'ombre de la mine? Ou une affaire de Gobble Babil?
Vous allez entendre parler gobelins. Pareil, mais il y en avait un sur le serveur où j'ai été là, là où tu je me suis retrouvé pendant quelques temps. On s'est retrouvé une ou deux fois dessus. Il y en avait un qui tenait absolument à montrer les glitches ou une manière de casser tu sais, les raids chez les dans une des ruines. Je trouvais ça dommage. T'arrives, t'es censé être super bien équipé, tout bordel. Pour entrer de A à Z dans le bâtiment, t'as un glitch, tu pètes le truc, tu passes en mode vertical jusqu'en bas pour casser toute la base. Dommage. Concept, c'est comme d'aller vider la base, c'est pas de tout éviter, sinon ça sert à rien. Donc, ouais, je sais pas, je trouve ça un peu. Alors, on fait laquelle? On va voir avec notre ami le gobelin ou Sébastien. Les deux sont importantes, hein. 1, 2, 3, combat de Pochine, ouais. Ouais, pour moi, ce sera celle-là. Vous avez 3 secondes. Bon, bah, je prends celle-là. Personne ne répond. Je prends ça. Ok, le plus près, c'est là. Perso, si j'étais créateur, une personne qui cherche les glitches et qui les... Bah, tu peux pas vraiment jouer à ça. C'est parce que t'en as qui aiment ça. Sinon, on devrait arrêter tout ce qui est... les speed... merde, comment ils appellent ça? Les speed gamers, là. Mais ceux qui rushent... je me souviens plus du terme, mais... Il speed tellement le game que bah, pour aller le plus vite possible d'un point A à un point B, il cherche du glitch. Voilà, le speedrun. C'est à la recherche des glitches hein, pour y arriver. Tu cherches le glitch qui va te permettre de... Et t'en as, ils sont à fond dedans. Donc, bah, ton jeu, t'es obligé à un moment donné d'accepter que ton jeu, il soit glitchable. T'es obligé. C'est juste parce que t'as un public qui aime ça. Faut voir ça comme ça, je pense. Bah, tu peux pas. Tu prends ne serait-ce que Twitch, tu regardes le public qu'il y a dedans. Ils sont nombreux à aimer ça. Hein. Tu peux pas vraiment les virer. Tu les vires, tu te mets à dos une grosse quantité de clients potentiels. Tu peux apporter un regard négatif envers ce qu'ils font. Mais ban les gens et les empêcher de jouer à ton jeu, c'est faire une très mauvaise publicité de ton produit. Hop. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Je suis d'accord avec toi. Oh, j'ai du bon stuff là d'un coup. Ça sort d'où? Je te rejoins là-dessus. Hein. Oh. Mais danger quand tu bats quand tu fermes ton produit à un certain type de joueur qui en plus est très friand de ça. Bon. J'ai vu qu'il y avait ça. Dégâts accrus de toutes les plantes. Ah, c'est bien ça. Dégâts accrus de bomb avec Bombarda. J'utilise beaucoup les plantes, j'avoue. Bombarda, je m'en sers pas mal aussi. On va mettre Bombarda. Oh. C'est une veste de... Attends. Ça fait pas sorcier ça hein, chez moi. Hein. Ça fait trappeur, ça fait pilote d'avion. Des vieux coucous. mais ça fait pas sorcier, mais j'aime bien. Ici, non, j'ai une nouvelle écharpe. Brûlure, dégâts accrus avec Ascendio. Donc en gros, t'es encore plus incendiaire qu'avant. Dégâts infligés par les gobelins réduits. Les gobelins ne font pas tant mal que ça pour le moment.
J'arrive à les, à les canaliser assez facilement. Et là, bah, j'ai déjà tout fait. Donc là, concrètement, voici à quoi ressemble le personnage si je lui mets pas ceci. Et ouais. On va lui retirer quand même les couleurs de Serpentard, enfin de Poufsouffle. Non, non, non. Et bon, on lui en met pas. Oh, ils sont présents, hein. C'est juste du skin. Donc le reste, bah écoute, madame, tu vas me les acheter. Que recherchez-vous exactement? Du pognon. Est-ce que tu en as? Ça, c'est bon, c'est juste pour un point d'écart. Merci d'être passé. Ok. Mais je vous en prie, je vous en prie. Je donnais des sous. Deux secondes. J'ai jamais essayé ça là-dessus. Invisibilité, ça oui, et ça doit virer parce que j'en ai déjà un là. Par contre, ouais, non. Ça, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ça, c'est Bombarda, ça, c'est l'équivalent de ça, mais les deux sont pas ensemble. Est-ce qu'on peut pas faire cramer ça? Putain, des fleurs qui résistent à la flamme. C'est fort. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? La jeune Artemisia joue un rôle central dans l'épanouissement de Non en tant que sorcier, mais également dans sa plongée dans les ténèbres, chacun alimentant le dédain de l'autre pour ses parents moldus. Ouais, sympa. Et alors que Non changeait ses créations en faisait autant. Comment? Et alors que Non changeait ses créations. Ah, d'accord. Il créait des trucs qui suivaient son. Ok. Les haies dont il s'occupait devinrent féroces et imprévisibles. Ça parle pas du labyrinthe du film d'Harry Potter? Alors. Ça fait pas plus jeune! Ah! Non. Non. Non plus. J'avoue que c'est la première fois que je tombe là-dessus. On va faire ça. Crapaud violet géant. Pas de soucis. Encore une fois, merci pour les abos. Puis bah, tu seras toujours bien vu de toute manière. Hein. À tout de suite. Ok. Bouton. Merde. Je veux ça. Bouton. Et si on faisait tourner comme ça? Un mouton pour faire un kebab. Hein? Tu mets la petite tige comme ça et tu fais tourner. Ça pourrait être bon, hein? Ici, on a quoi? Oh, oh, comment il parle? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quoi, ça sent tellement le combat, tout ça? Je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. Toujours. Les conneries, c'est mon dada. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si préoccupé par tout ce qui s'est passé avec Hominis dans les catacombes, sans parler de la réaction de mon oncle, que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile, enfin ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs. Et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillante de fidèles de Ranrock. Tu penses qu'on y a un Baston! triptyque? Je n'en ai aucune idée. Ah Mais peut-être
peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation? Mais faisons en sorte que ce ne donne pas... Attaquons! Baston! Ce qu'ils fabriquent. Nous devrions les attaquer de front et nous débarrasser d'eux. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que... Coalition! Après toi. En plein milieu de la basson, ce serait bien. Hein. Eh, j'attends la coalition. On dit quoi? C'est quoi la suite de la réplique? Enfin, j'ai évité de faire à la Sangoku, hein. J'ai pas sa souplesse. Ah, vous me décevez, les gars. Hein. Coalition, destruction. Ils sont là, droit devant. Tous les ennemis de l'Empire doivent périr. Personne ne doit entrer dans ce... Tuez tout ce qui essaie de passer. Mais pourquoi tu parles de tuer? Oh. Merci. Bon, j'ai dit que... Oh. Non, j'ai tué personne, moi. Non, personne n'est mort avec moi. Hein. Moi, je suis responsable de rien du tout. Arrêtez tout de suite de suspecter ma personne. Parce que tu es mort. Bah, il se passe que... T'es mort! Baston! Oh! Tiens, mange ça. Hey, j'aime bien, ça fait bien plus longtemps que toi que je me bats. Oui, et... T'es en train de dormir, Diane et Denis? Je crois que j'avais... Non, ils sont sur Arc. Venez nous rejoindre sur Arc. Nous avons un serveur de la mort qui tue. Bon, souvent, il tue, mais... Voilà. Hein. Il est très bien. Vous ne souffrirez jamais. Bien longtemps. Allez. Hein non, je... T'as rien foutu. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Non. Ah, je sais pas, hein, on n'est pas mort si souvent que ça. Hein. On peut peut-être trouver un autre chemin plus loin. Mais j'aime... Oula. C'est qui ça? Un humain de moins à supporter. Tiens. Aïe. Aïe! Tiens! Non. Faut juste que j'utilise le bon sort à chaque fois. Aïe! Oh, copain, tu pourrais faire un peu d'effort, non? Aïe! Mais... Merde. Pas le bon sort. Mange ça.
Bah si. Eh. Hein? Hein? Mais si. Je suis bien amusé, moi. Ah! Il lui dit lui-même. Est-ce que ça fait de moi un psychopathe de prendre plaisir à tuer les autres? J'ai peur de ta réponse, hein. Non, je suis quelqu'un d'adorable. Allez, on y va. On rentre dans le belvédère. Juste un peu? Non, le juste un peu, c'était d'avant. Le côté mortel de Ark. Ok. Non, c'est que là. Des récompenses. Ok, bon. De toute manière, le camp, je l'avais fait de fond en comble. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Allez. Que cette journée se termine. Hey. Hey. Hein? Hein? Je comprends pourquoi maintenant. Ah bah déjà, là, le premier accident, tu tombes de là, voilà quoi. Moi, je tombe pas, hein. Moi, j'y vais pas, hein. Moi, je tombe, je meurs, hein. Par contre, je vois beaucoup d'étoiles d'araignée, donc araignée. Enchanté. Ouais, il y a du truc. Manteau long à motif écossais. J'ai peut-être envie de garder ma tenue. Hein. Alors, est-ce qu'on voit du matos que j'aurais raté? J'ai pas l'impression qu'il y ait... Ça va être riche comme zone de... Ah, il y a du matos là-bas. Allez hop. Tu vois, là, c'est des Assassin's Creed. Bravo. C'est pour ça qu'on est en guerre avec eux. Ouais, c'est flippant. J'ai l'impression de revoir la faille dans Valguero. Oui. Bonjour. Pas dire qu'on m'a pas vu, si? Non, ils m'ont vu. Hop. Tiens, cadeau. C'est pas le projet, ça, à la base. Beaucoup trop. C'est quoi? Ils doivent être persuadés que ce qu'ils veulent se trouve ici. Mais moi, je m'en fous, je veux des combats. N'ayez pas peur des combats, merde. Vous cherchez les embrouilles. Vous les trouvez. Je veux des combats. Bon, par contre, ça avait... je viens de me dire que, du coup, vu qu'on a la vidéo, enfin, la soirée se passe en deux parties, j'aurai un petit peu de montage ce soir. Bon, un tout petit peu, hein. C'est juste découper la partie qui m'intéresse et pas laisser celle qui a aucun intérêt. Et des trucs là. Et du podium aussi. Bonjour. Et, oh. Faites pas genre, vous avez pas envie de me manger, hein. Alors ici, on a quoi? Une table immense. Tiens, la table immense, où c'est que tu veux que je la place? Il n'y a pas la place à la maison. Il n'y a pas de place dans ma baraque pour mettre une table immense. Il doit y avoir quelque chose dans le coin qui peut nous aider. Oui, oui, non, mais t'inquiète, il y a toujours. Arrête de parler. Ta gueule. Littéralement, ta gueule.
C'est évident qu'il y a quelque chose. Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Le jeu depuis le début te donne tout un tas d'informations. Il n'y a rien qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Ah mais t'es un génie mec. Ça. On fait les mêmes choses depuis le début. Étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualité. J'avoue. Ah, Thomas, au passage, t'y joues, toi, à Satisfactory? T'y as joué avec Denis? Parce que je sais que lui, il l'a. Hein. Il a des heures et des heures dessus. Par là ou par là? On va par là. Règle numéro 1. Ne jamais aller en direction des quêtes. Vous avez un donjon, vous tournez autour du donjon et vous y passez, vous faites votre quête après. Vous raterez beaucoup trop de trucs sinon. Là-dedans, il y avait quoi? Un peu de pognon. Au moins un tout petit peu alors, hein, parce que là... Ok, bon bah oui, wow. Bah, oui. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. Ça existe? Dis-moi pas que ça existe. Ah, mais... Abruti, on était censé arriver en mode fufu. Et il se fout littéralement de ma gueule, hein, le mec. Hein. Je crois savoir faire un sort. On se serait pas fait repérer. Comment tu veux l'apprécier derrière, Sébastien? Ah, c'est un coin à se prendre une petite barbe, un petit barbecue. Bon, tu y restes pas longtemps parce qu'il y a des araignées autour, donc t'as pas envie, mais. Hein? Non, tu crois? Alors, règle numéro 2. Ne jamais garder un sort aussi bidon que ça, parce que c'est pas longtemps qu'on en a besoin. Voilà, mais par contre c'est très pratique. Les travaux BTP seraient tellement plus rapides. Là-haut, il y a quelque chose. Mais il y a un sort de feu à activer. Allez, grimpe! Oh là 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 là. Dès qu'il y a de la mine, il y a des araignées dans tous les sens. Pas possible. Je viens d'en voir au moins 3 là. Facile. Ça craint. C'est quoi ce monde où la moindre bestiole que tu croises, c'est des araignées. Oh, elle est horrible, adorable. Et en plus, elle est venimineuse. Ah, oh, super. Reviens! Fais pas le con! Enfin, fais pas la conne, plutôt. Tiens! C'est tout? Elle a pas aimé, hein. Elle a pas aimé qu'on la dérange. Non. Ah non. Non plus. Oui, il y a des trucs ici, ça c'est évident, mais...
Je voulais voir s'il y avait un petit peu plus, mais j'ai pas l'impression. Moi, ça, il y a des araignées dans tous les sens. C'est quoi ce monde? Et tu en es en train de me dire que les Moldus ne le voient pas, tout ça? Le professeur Ekat serait fier de nous. C'est vrai. Mm-hmm. Fidèles de Ranrok ont, pour ainsi dire, déclaré la guerre. Oh, tiens. Lumos, Lumos. Tu crois que... Oui, extrême danger. Hein. Kofringo. Ok. Ah, tiens. Petit coffre. Statue de Boursouf. Non, mais franchement, arrêtez. Bonjour, tu vas dans une grotte, c'est la merde. C'est pour choper une statue de merde. C'est du foutage de gueule, là. Nouveau fringue. Salut, bande de salopes. Salut, comment vas-tu? Comment va? Par là, il y a quelque chose, mais il faudra que je tourne autour, je crois. Ouais, j'ai pas l'impression que ça bouge. Attention à ces racines, hein. Elles sont agressives. Oh! Et je vois que je suis sub. Salut, merci, tu dois bien respirer. Merci pour le follow, bienvenue à la taverne. Oui, il y a eu Tagnar qui a fait un petit brassage d'abonnement. Et qui est soit en lurk, soit... oh, salut les araignées, comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue, merci pour le follow, comment vas-tu? Hop, salut. Il a quoi à gueuler comme ça, lui? J'hésite à l'acheter. Ah! Alors, bah t'as pas trop, y a pas de problème, crapu, y a pas de problème. Tu dois bien respirer. Il faut savoir qu'aux alentours du 4 avril, je le ferai gagner. Donc si t'as envie de participer sur la plateforme qu'il veut, t'attends à ce moment-là. Je crois qu'il y a facilement 6 ou 7 personnes qui ont envie de participer au. Bah tu vas sur le Discord. J'ai un Discord, tu nous rejoins, tu participes et voilà. Non, on a commencé de... Enfin, on a continué plutôt le RPG papier, un peu plus tôt. Et puis voilà. Au bout d'un moment, bon, ça, on tournait un petit peu en rond. Je voyais qu'il n'y a pas vraiment de monde, donc j'ai fait, bon, bah écoute, on va changer un petit peu de truc, on va aller sur Hogwarts. J'avais proposé soit Hogwarts, soit Plein des Eaux. Hogwarts a pris le vote. Qu'est-ce que tu veux comme information sur le jeu? Ou c'était juste parti pour regarder? Pourquoi ne suis-je pas surpris? Non, 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 ils ont rien entendu. Malfoy, par exemple. Malfoy, ah, tu veux dire un sorcier, un mage noir? Parce que les Malfoy, non. En gros, si mais tu peux le créer. C'est ça, c'est grosso modo. Ton personnage, tu en fais ce que tu veux. Hein, c'est pas limité. Ou... Ah, ils m'ont vu. Ok. En gros, tu peux créer un personnage. Ton personnage, tu vas le créer. Hein, ni plus ni moins, tu as un système de création. Par contre, tu vas te rapprocher du modèle de Malfoy. Ceux qui ont la ref s'en souviendront. Mais exactement, je suis pas sûr. Pour une simple raison, c'est que, en gros, tu sais, tu as des systèmes de craft, enfin de création de personnages, où tu vas utiliser une buse et tu vas tirer une partie du corps, quoi. Tirer ou le pincer. Là, c'est plus des formes. Hein. Des formes de joues, des formes de bouche, formes de machin. Tu as 3, 4, 5 modèles à chaque fois. Tu sélectionnes ce que tu as envie. Les cheveux, par contre, oui, tu vas être un petit peu plus libre, donc tu vas peut-être pouvoir t'en rapprocher. Je reviens pas, c'est la première fois que je viens, canard.
Faut tout de suite se calmer. Non, mais arrête ça. Oui, c'est plutôt pas mal. Oui. Mais je l'utilise, comme je l'ai dit, moi les sorts interdits, je les utilise pas. Tu dois se... Oh. Je vois. Quand tu veux, pas de soucis. Wow, maintenant on se tape les araignées, ok. Ça va, tranquille les araignées? Passe une bonne soirée. Enfin, vu le programme. Non. Aïe, 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 aïe. Oh putain, il y a une saloperie qui est arrivée sur mon lit. Dégage. Ah 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 ah. Attends, le sort c'est... comment il s'appelle? Impero. Attends, parce que là, je sens que c'est pas les bons sorts que j'ai. Non. Pas cette fois-ci. Ouais, pas de soucis. Ah, les vieux sauts, ça marche pas sur elle. Non. Quelle zone? Ah, et j'avais oublié que ça passait au travers. Non, en gros, oui, c'est les quêtes qui vont pour essayer de sauver sa sœur, enfin la soigner. Tu vas dans une grotte, qui est donc la suite de Salazar Serpentard, et tu vas pour trouver un artefact, et on découvre l'existence de cet artefact par le biais d'un rapport d'un des élèves du collège, enfin de l'école, qui devait... faire une disserte ou un truc comme ça, c'est un devoir qui devait qui a poussé à faire ses recherches, et donc il a trouvé cet endroit là et l'artefact, et tout le monde l'avait interdit de le garder. En gros, il devait absolument pas s'en approcher et ça devait rester dans la crypte. Et nous, en mode rien à foutre, c'est moi qui fais ce qu'il veut, et si t'es pas content c'est pareil, bah on est arrivé, on a pris l'objet, et dans le rapport, il était marqué qu'il fallait apprendre le sort. Enfin, que c'était lié. Le sort était lié à l'objet. Donc là, par extension, il me l'a appris. Mais il n'y a pas eu besoin de s'en servir pour le moment. Mais bon. On s'accorde quand même à se dire qu'à un moment donné, ça va venir. Hein. Mais j'espère que ça va pas être toujours comme ça, parce que Avada Kedavra, ça voudra dire qu'il va falloir tuer quelqu'un. Si c'est constamment comme ça, et c'est ce que je disais au début, hein, si faut utiliser un sort comme ça sur quelqu'un à chaque fois, mais il l'utilise à un moment donné pour sauver sa sœur. Ah oui, il y a un gobelin qui est sur le point de la tuer. Si, c'est ça. En gros, tu utilises, c'est pas que tu fais attaquer, c'est que tu prends contrôle de la cible. Et en gros, il va utiliser un gobelin qui est sur le point de tuer sa sœur. Non, c'est pas Réparo, abruti. pour oh, j'ai plus rien à étirer, on m'a déjà fait m'étirer comme ça. Il y a déjà Thomas qui m'a fait m'étirer comme ça.
Mafiosa. Ok. Allez, reviens. Ici. C'est tout assez évident. Hein. Putain, il est en forme le mec. Hein. On crame tout ça. C'est pour accéder à ce truc. Oh le chat, et ça a dû te manquer. Non, même pas. J'étais en pleine forme hier. Bon, alors c'est une évidence, hein. Confingo sur les chacun de ces panneaux. Non, je sais. Arrête de me dire qu'est-ce que je dois faire, je suis pas un abruti. Oui, t'es gentil, Minet. Deux secondes. Aïe. Donc, je vois qu'il y a ça là-bas. C'est un accès ou pas? Il y a quelque chose? Non. Ok, j'aime bien farfouiller avant de faire quoi que ce soit. Je suis le nain dans l'âme, hein, donc s'il y a un objet à farfouiller, je le farfouille. Voilà, c'est évident. Il y a peut-être un quatrième symbole. Il doit y avoir un quatrième symbole. Hein? Parce que, attends, on est bien d'accord, c'est oui, celui-là. Essaie peut-être de les activer dans un ordre différent et aussi vite que possible. Toi, tu fermes ta gueule. Merci. Alors, je sais pas, j'arrive pas à visualiser. Ce serait quoi et là-dessus? J'ai vu ce machin faire un mouvement bizarre. Oui, donc ça c'est déjà mort. Vu comme c'est descendu, c'est pas ça. Ça en premier. Ça, ça en dernier. Côté casse-tête, c'est pas le jeu le plus compliqué. Hein. Faut arrêter. Le jeu, il te fait comprendre que t'es super intelligent. Ah bon? C'est du casse-tête niveau 2. C'est pas impressionnant. Hein. Le monde m'est revenu troublé, comme si je me trouvais en plein brouillard. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que j'ai perdu connaissance? Je ne me souviens que de ses yeux vides, vides de sa tristesse, oui, mais aussi. Je me rappelle avoir ressenti une certaine euphorie en regardant la douleur s'évanouir. Mais ensuite, le monde a commencé à tourner. En tombant, j'ai dû me cogner la tête. Je ne vois ni ne sens aucune marque, mais la douleur est vive. J'espère juste qu'il ne s'agit pas de la peste noire. Au moins, il ne souffre plus. Donc, il y a quelqu'un qui est mort dans l'histoire. Un extrait du journal d'Isidora. Oui, oui, non, mais c'est évident. La méthode du nain quand tu arrives à un endroit. Tu vois un truc, tu farfouilles. Point. Si t'as plus rien à récupérer, c'est que c'est bon. Sébastien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mm-hmm. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Non, tu crois? J'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Allez voir Sébastien. Reviens! Si le triptyque nous a mené jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi trace de la magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Ouais. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. C'est vraiment
Oh non. Ouais, ouais. Il me fascine. Ah bon ? De sortir d'ici et de retourner à Poudlard. Réveillon. À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Ça a toujours été ça. Hein. J'ai l'impression que la famille Dominis tout tourne avec des passages pour la crypte. Voilà, on va faire cette quête. Tout compte fait, je pense que je fais. Je peux faire une pour un sort d'impardonnable. Non, je n'en utiliserai aucun. Les seules fois. Non, mais si, la seule fois où je les utilise, c'est dans l'arène. Parce que là, t'as beaucoup trop de monde autour de toi, t'as pas le choix. Mais concrètement, c'est, en dehors de là, j'utilise pas. Sont pas terminés. Ouais. J'imagine qu'il y a encore des gobelins. Je connais cette côte. La veste, c'est comme ça que je l'ai eu. Hein. Et de ses environs. Grand Allo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite, on devrait attendre. Pourquoi ? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc ? Il m'a demandé de rien dire. Quelqu'un qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Et alors ? Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont tous pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Mm-hmm. Tu l'as oublié aussi ? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Et toi aussi, Tu ne sais pas ce que tu dis. Prends le temps de respirer. Non, je sais très exactement ce que je dis. Je n'en reviens pas. Voilà pourquoi ce, je sais qu'il est... Il y a un petit truc qui va pas dans sa tête. Si t'es pas dans son sens, t'es un ennemi. Et quelqu'un qui pense comme ça, en général, ne sait pas se calmer. Qu'on se le dise. Et il ira toujours trop loin pour faire tout et n'importe quoi. Les demi-keys, je les ai toujours pas faites. Ce serait bien que je les fasse. Donc on va aller là-haut. Ok, alors, pour aller là-haut. Ici. Sinon il y a quoi ouais quand on a ce quand Sébastien a sauvé sa sœur donc de l'attaque du gobelin vu qu'il a utilisé un sort interdit enfin impardonnable et que son oncle qui est un ancien aurore l'a vu l'utiliser en gros bon déjà c'était chaud la relation entre eux là c'est fini c'est en mode il veut plus rien savoir. Donc, problème en plus. Mmh. Ça, c'est évident. Et j'ai apporté une réponse qui n'a pas aidé. Professeur Chat, j'entends savoir plus sur l'astronomie. Il est rare de voir un élève. Attends, mais si... c'était pas toi qui fallait que j'aille voir ? Oh, non, alors, c'est bon, dégage. Merci. Et crush. D'accord, c'est en dessous. Attends pour moi. Attends. J'ai pas l'impression. C'est quoi ça? Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Ouais, j'aime bien la veste là. Tu vois? Et l'ensemble, au final, rend plutôt pas mal. Il fait très très classe. J'ai mis du temps à trouver un style que j'aimais bien dans le jeu. Et il rend vraiment très bien. Avec les petites dorures derrière. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des dorures. Mais
les formes un peu qu'il y a derrière, franchement, l'ensemble est plutôt propre. En plus, le haut, là, enfin la tenue que t'as en dessous, là. Parce que là, avec la forme du truc, tu vois là. Avec la... Bah, c'est ça, là. Donc, le skin, c'est... Non, c'est pas ça, c'est là. De mage noir. Donc oui, pour le coup, c'est... Pour les méchants. Mais il rend bien. Il fait pas méchant. Bon, quand tu le retires à la veste, tu vois qu'il y a des têtes de mort dans tous les sens. Mais au début, j'utilisais celui-ci pour une bonne période. Mais je le trouve un peu trop... non, pas associable. Donc, pas propre. Après, quand tu prends le reste, c'est absolument dégueulasse. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais farmer une ou deux autres arènes pour voir ce qu'on peut y choper. Parce que si on peut choper des skins qui sont comme ça, aussi bien stylés, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a quelque chose ici. Bon, déjà il y a ça. Mais je sais que quand j'ai fait ça, j'ai vu qu'il y avait un rouleau. J'ai cru voir un rouleau quelque part et je sais pas où. Il était au-dessus de moi, c'est tout. Et comme vous savez, moi je suis un papillon. Dès qu'il y a une lumière, je vais de vue. Salut toi. Dégage. Non ? Oui ! Oh, 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 oh. Ah, elle a pas aimé celle-là. Tiens, vas-y, vole. Elle a pas aimé. Oupsi. Je veux pas avoir fait exprès. Ça passe ? On l'accepte ? Vous voyez, je viens de l'entendre là. Et en plus, c'est là. Je sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je sais, j'entends. Déjà, il y a un coffre. Pourquoi je t'ai pas vu, toi? Je sais pas. Mais merde, je vois pas. C'est con, ça. C'est par là. Ah, d'être con. T'es censé le voir, là. Tu vas me dire que c'est au-dessus? Vous l'avez vu le rouleau? Le voilà. Télescope d'astronomie. Ce télescope est le meilleur instrument du marché pour observer le ciel. Il est idéal pour admirer la lune, les étoiles et tout ce que l'on peut trouver dans le ciel la nuit. Éventuellement, une petite élève en train de se doucher. Ah, c'est vrai, ils se douchent pas dans ce monde. J'ai pas l'impression, en tout cas. On parle jamais de douche dans le jeu. Dans Harry Potter, nulle part. Bonjour, des chiottes, oui, mais pas du reste. Tu parles de Gobel Babil, non? Si, effectivement, c'est bien le cas. T'es sûr? Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais après Olar? Oui, il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait bien nous être utile. Il oh merde. Près d'une mine de gobelins. Tu accepterais de m'aider? Et comment? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas dangereux. Moi. Non. Simplement me montrer quelque chose avec du gobel babil. Si ça peut te rassurer, c'est un ami de Cyrona. D'accord. D'accord. Si Cyrona lui fait confiance, alors moi aussi. Ouais. Quand on lui dit qu'il va marcher sur une mine explosive dans quelques secondes. Lodgok m'attend. On y va? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Au secours. Je sens tellement la on lui dit que c'est... Oui, non, mais c'est clairement ça, là. Le mec, et en plus de ça, il est en train de me dire, bon, ok, je sais faire du parler gobelin, mais, parce qu'il y a un gros mais, il y a quelques notions que je n'ai plus. Ah, enfin, grossièrement, c'est un peu ce qui m'a fait comprendre.
Ça sous-entendrait que si il dit de la merde, je suis mort. Bon, lui, il est mort, hein, mais je m'en fous, c'est lui. C'est pas moi. Ça fait salaud ce que je viens de dire. Dites-le, hein. Ne me laissez pas dans l'ignorance, hein, mais là, clairement. Je sens que le personnage, enfin celui-ci, ne sera pas du tout dans son élément. Bonjour, est-ce que ça... Ah ouais. Ils ont des capacités surhumaines, ces personnes. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non. Je sais pas, je teste, hein. Là, clairement, je sais pas ce que je fais. Mais je me dis que ça ressemble à un bras zéro. Donc peut-être, mais apparemment, non. C'est peut-être l'accès au cerf d'aigle, à savoir. Je sais plus. La dernière fois, je me souviens que ça, c'est la salle sur demande. Mais calme-toi, c'est bon, c'est pas pour maintenant. Je crois me souvenir que... Oh, j'avais suspecté quelque part, mais... qui m'avait été confirmé, et je me souviens plus de... Bonjour. Attends, il me suit ? Ah non, il me suit pas, c'est bon. Là-bas, il y a un coffre. On peut m'expliquer pourquoi ça bouge pas? En fait, c'est quoi la diff? On a des peintures qui bougent et d'autres qui ne bougent pas. Rébellion. Salut. Alors, ici. C'est vidé ou pas? Parce que... Ouais, bonjour. Ouais. Fais bien de fuir, toi. Non. Bon, de toute manière, j'ai pas le choix, hein, si je veux faire à 100%. Bonjour, Sophronia. C'était un sacré questionnaire que tu m'as fait passer. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est un bon test de connaissance, n'est-ce pas? Je travaille sur quelque chose de tout aussi intéressant. Et j'ai besoin de l'aide dans 5e année. Alors ta présence pourrait m'être utile. Tu connais Herodiana Byrne? Pas la peine de répondre. Bien sûr que tu ne la connais pas. À part moi, personne ne semble la connaître. Tu sais que personne ne maîtrise Repulso mieux qu'elle. Elle a même enseigné à Poudlard, brièvement. Mais bon. C'est ouais. Intéressant. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'elle? C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas... Je lis souvent des livres sur les grandes sorcières pendant mon temps libre. Il y en a tellement. En lisant un livre à son sujet, j'ai appris qu'elle avait construit une salle secrète d'entraînement à Repulso, ici à Poudlard. Mais puisque nous parlons tout de même d'Herodiana, elle en a interdit l'accès à quiconque ne maîtrise pas le sortilège Repulso. Et bien sûr, il n'est pas au programme de 3e année. Et tu es en 3e année. Zut alors. Tu as l'esprit vif, ce que je vois. Si j'en crois mes lectures, sa tenue emblématique pourrait encore s'y trouver. J'aimerais vraiment la voir. Et moi la voir. Pourrais-tu récupérer la tenue emblématique d'Herodiana et me la montrer? La porter peut-être pas, mais la voir. Si tu me dis où aller, je verrai si je peux faire quelque chose. Mais si c'est en mode jupette, bon. D'Herodiana. Il se trouve à la base de la tour de défense contre le mal. Une fois là-bas, tu y trouveras une série d'énigmes Repulso qui cachent des éléments de la tenue d'Herodiana. D'accord. Je te préviendrai si je trouve quelque chose. Ouais, non, on va continuer ce qu'on a prévu. Hein. Tu te calmes. Gobel Babil, et on y va. Hein. C'est bon, on a fait le tour, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Effectivement, t'as pas... Ah, ok. Donc on va déverrouiller au moins un ou deux cheminettes sur le chemin. Alors. On va voir. Mais je pense que ça va très mal se passer pour notre collègue fan d'étoiles.
Il va en voir des belles des étoiles, mais hein, elles sont pas au-dessus d'elle. C'est pas cool ce qu'on lui fait faire quand même. Oh. Ah, temps de chargement est long. Et en gros, il en a pris 5. Après, c'est aléatoire, hein, donc tu peux pas les sélectionner. Toi, apparemment, j'ai déjà fait le. Là, comme ça, je pourrais pas dire. Hein. Franchement, il faudrait que je remonte sur le flux. Il y a Chiawazé, Ange, Takio, Crapu et Rita. Voilà. Alors ça, c'est les espèces de gros crapauds. Toi, non. Pour ça qu'il faut pas appuyer trop vite. Le jeu n'aime pas ça. Bonjour. J'ai fait le tour des armes, des affaires, donc si je peux. Regardons tout cela de plus près, voulez-vous? Ah, il fait mal. Il fait mal le prix quand même, hein. 2500, hein. Mais faut qu'on ait tous les balais. Pour avoir le faire à 100%, je crois qu'il faut avoir tous les balais. Donc on va tous les acheter. On est un petit peu large quand même. 14 000. J'ai pas eu l'impression que j'ai besoin de beaucoup de thunes pour le moment. Allez. Vous ne regretterez pas votre achat, je peux vous le garantir. Je commence déjà à le regretter. Donc on commence pas, hein. Ça ressemble à quoi son balai de merde? Le balai familial. Bien sûr. Voyez, hein. Alors, le balai familial. Oh putain, cette balai de sorcière de base. Oh non, 2500 le con. Non, pas pour le moment. Il est dégueu le balai, je suis désolé, mais il est dégueu. Tu peux pas te dire qu'il est beau. Re-gigot, coup de barre. Ok, Tagdar, merci d'être venu, merci pour les abos. Passe une très bonne nuit et repose-toi bien, surtout avec ce qui t'arrive. Bon, bah, merci beaucoup, passe un bon week-end. Ah, tu peux pas me dire que c'est normal comme balai. 2500, cette connerie. Ça, je l'ai eu à 600. Non, c'est pas lui que j'ai eu à 600. C'est lui que j'ai eu à 600. Y a du foutage de gueule. Celui-là, c'est quand j'ai fait les courses. Et ouais, il est complètement dégueulasse, hein. Vous pouvez acheter des améliorations de balai. Ouais, représente la nature sauvage d'un incendie. Voyez. Non, je crois que je vais garder celui-là. Il est classe. Bon, hormis que t'as un balai dans le cul, mais il est quand même un peu plus classe que tout ce que j'ai depuis le début. Parce que bon, je dis qu'il est classe, mais on peut pas dire que tu peux être classe quand t'es en train d'en chevaucher. Un balai. Non. C'est pas possible. Je suis désolé. Encore, putain. Ah, tiens, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose aussi là-bas. Quelque chose. Putain, mais. Quand même, faut suivre les quêtes des fois, hein. Alors, cabane abandonnée. Cette vieille cabane abandonnée servait de refuge et protégeait les sorciers, sorcières et sorciers voyageurs des intempéries. Le mini-jeu. Quel mini-jeu? Le truc de lévitation? Avec le temps, la nature a repris ses droits et les marais se sont réappropriés la cabane. Aujourd'hui, elle abrite un fangieux ou deux. Bon, on va les laisser tranquilles. Ouais, bah c'est celui-là.
Là, pour le moment, j'ai plus d'étapes. J'ai l'impression que c'est plutôt des étapes liées à des... tu sais, avec tes saisons, là. Dès que tu as atteint un seuil particulier, précis dans l'histoire, tu passes à une nouvelle étape de l'année. Donc, j'ai plus l'impression que ça marche comme ça. Ça, là, par contre, j'arrive pas à comprendre c'est quoi. Non. Non. Non plus. Non. 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 J'ai l'impression que c'est lié à la vieille magie et que j'ai pas de sorts qui sont liés à ça pour le moment. Et je vois pas trop comment l'utiliser en fait, c'est ça le truc. Non, non. Non. Clairement, j'ai abandonné la chasse au trésor de la. J'ai fait, allez, c'est bon. Pour le moment, je verrai ça plus tard. Faut savoir que de base, je suis mauvais avec ce genre de conneries. Alors, quand on te dit, tiens, vas-y. Des flaireurs, j'ai déjà. Labyrinthe végétal, parviendrait. Ah, j'ai peut-être pas accès encore à ça. Parce que labyrinthe végétal, ça me dit rien du tout. J'ai pas souvenir de l'avoir fait. Donc, ouais, je pense que ça doit être un truc qui est bloqué pour le moment, que j'ai pas eu accès encore. Par contre, je vois qu'il y a, il y a une énigme. Donc, ouais, l'énigme de Merlin, ça va être ça. Ouais. Oh, tu peux me faire manger tout ce que tu veux, mais j'ai jamais été gourmand d'un ragoût de champignons. J'aime les champignons, hein, c'est pas un souci. Mais ragoût de champignons, en rêver. Allez. Des penées à la crème et aux champignons avec des petites escalopes de poulet, ouais, ça passe. Mais, tout seul. Ouais. Ça fait un peu triste, hein. Bonjour. Je me présente. Le gars qui va te congeler la tronche. Voilà. Bah, je sais pas, c'est ce qui est marqué là. C'est bien Glacius. Oui. Donc il y a peut-être quelque chose à faire tomber. Attends. Il s'appelle comment ce sort? Glacius. Oui. Et c'est bien marqué Glacius. Non, pas un opposé. Non, c'est bien Glacius. Bizarre. Bon, on va vérifier un truc. Ah, non, c'est bien ce que je pense. Il faut d'abord que je fasse quelque chose là-dessus. Ok, crapu, passe une très bonne nuit. À lundi. Et bon week-end, du coup. Ah, tiens. Des ballons. Ah putain, je suis vraiment un putain de papillon de nuit, moi. Et d'un ballon. Et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Donc c'est pas là. Bah, je sais la rentrée, mais ça, c'est toi qui te démerdes. Tu seras là, c'est tout. Chacun son problème, hein. Moi, de mon côté, je serai là. Eh, c'est qui se couchait à 3h du matin pour regarder le stream jusqu'au bout? Hein? Ah, ça, après... Eh, ouais. Chut, quand on a envie, hein. Et là, tu t'allumes. Merci.
Ici, je vois qu'il y a des rails. Il y a beaucoup de rails. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu... oh, le machin est là. J'ai envie d'avancer dans les quêtes, là, pour le coup. J'en ai marre de faire l'explo. C'est sympa, mais à un moment donné, tu as besoin d'avancer. Hop là. Et là, par contre, j'ai pas trop compris. Ah! Ouais, c'est du charbon. C'est des mines. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Par quelle magie? Les freins, ils doivent être bons. Hein. C'est censé se péter la gueule, ce machin. Hein. Là-bas, il y a quoi? Rien. Oui, je sais que c'est là-haut, t'inquiète. Ici, nous avons quoi? Bonjour. Ça vous dirait que je vous bute un petit peu la gueule? Viens là, viens là, viens. Merci. Alors... écoutez, hein, il y a l'elfe qui fait toc toc quand il rentre dans le donjon de Nalbuck. Moi, je défonce la porte. Hein. Ça dérange personne. Donc, autant le faire. Il y a quelque chose à faire, mais je sais pas quoi. Il y a un coffre là. Avec que dalle, bien évidemment. Hein. Je suis le gros poissard des familles. T'es qui toi? T'es que dalle. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ouais, en dehors du stuff, enfin du coffre de merde, il n'y avait rien. Il y a un peu trop de y a rien dans les grottes. Cric, grotte ou tout ce que tu veux. Je suis trop souvent déçu de ce qu'il y a dedans. Salut. Un ami qui parle le Gobel Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là. Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Ok. Comment pensait-il que les gobelins récupéreraient le home? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Oui. Maudit soit Bragbor et ses fichus journaux. Bragbor? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Vas-y. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Bragbor récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Bragbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par... Pardon. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Le château de Rockwood. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais il... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le Gobel Babil? Oh, bagarre, Léo. Assez. Ne
me dites pas que c'était censé être du Gobel Babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le Gobel Babil mieux que vous ne le parlez. Sympa. Monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Clairement sympa le mec, hein. Et pourquoi ne venez-vous pas? Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Mmh. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Ami, témoin, pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. Vous avez conscience que le modèle fufu, c'est pas tellement mon modèle, c'est pas mon style, hein. Moi, dans Assassin's Creed, je connais que la ligne droite, hein. Bon, bah, on va essayer. On va bien voir ce que... Ah, je viens de comprendre. C'est les mêmes yeux que les portes, les coffres. Il faut qu'on évite de se faire remarquer. Oui. Vraiment con. J'avais pas vu l'œil sur au-dessus. J'avais pas compris le rapport de l'œil qui parle. Il me parlait. Oh putain, oui, effectivement, je crois que j'ai pas tardé non plus. 1h45. À 4 heures de sommeil par nuit, ça fait forcément court. Hein. Cocotland dans le jeu. Hein. Les livres sont bien en dessous. Sera finalement. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. T'as vu, hein, t'as vu, hein. Dis-toi que c'est grâce à moi que tu fais ça, hein. Bon, bien sûr, tu vas passer devant et tu vas te foutre dans la merde. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Découvrons ce qu'on peut et partons. Inside, c'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Allez, on descend. Allez. La petite musique d'ascenseur, s'il vous plaît. Non ? Pourquoi il chante pas ? Je suis triste. Je m'attendais à ce qu'il chante, tu vois. Mais calme-toi, merde, c'est bon. Non. Non, bah non, pas celui-là, quel con. Ça, c'est... Oh. Quelque chose derrière. Ok. C'est vicelard ce genre de truc. Là, je vois quelque chose. Je vois aucun moyen d'y accéder. Non, littéralement, il n'y a aucun moyen d'y accéder de ce côté-là. Mais c'est bon, calme-toi, c'est juste une mine. Essaie de bander face à une gamine, face à une fille, pas face à ça. Allez, non. Je sais pas, il a pas voulu. Oh, oui, on va éviter de tomber. Ok. Du coup, il voulait pas, maintenant il peut. Il faut garder ton sang-froid, Habit. Je te promets qu'on s'en sortira. Ouais, mais tu laisses là. Laisse-le là, je m'occupe du reste. Tout va bien se passer. Oups. Petit fœtus, t'en
Non, non. Bon. Attention où vous mettez les pieds. Qui ça? Hanrock aura bien. Mais non. le chat est des chiants. Ah! Bien sûr. Je nous ferai sortir d'ici sans encombre, Amit. Promis. Comme le fait de lui avoir dit qu'il n'y avait aucun risque. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as avec le... T'as un problème avec les portes, c'est ça? Non. Je sais, t'inquiète pas, elle ne nous verra pas. Et apparemment, il y a quelque chose à faire là-haut. Voilà, voilà. Ok, apparemment, c'est par là qu'on y accède. Par là, j'ai l'impression que j'ai tout chopé. Là-bas, je ne peux pas y aller. J'ai pas accès au balai, bien évidemment. Ça, c'est fait. Ok. Bon. On va faire cramer ce truc. Dans ce monde, tout est logique. Hein. Faut pas oublier. Il n'y a rien d'illogique. Il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de qui se comprend pas. Ce n'est que de la logique. Clairement. Tu vois un endroit, il y a besoin de brasier pour que ça fonctionne. Tu utilises ce qu'il faut. Et ça aurait pu être par là. Hein. Bah, je me dis que ça. Voilà. Non. Non. La pression est augmentée. Ok, ok, bon, oh. Pognon. 10. J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans que je lis pendant mes vacances. Regarde aux alentours, Amit. Non. Des plans. Il doit bien y avoir des plans quelque part dans les paras. Un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. C'est étrange. Révelio. Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire? Et on l'a embarqué dans la merde. Ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est un nouveau voyou, il est comme moi. Le mec, c'était un gosse bien élevé, sans problème, qui cherche pas la merde, et là, d'un coup, commence à s'intéresser au problème. Il veut farfouiller, trouver la solution. Même les gobelins, ils sont pauvres. Hop. Bonjour. Au revoir. Alors. Il y a lui. Il y a lui. Hop. Bang. Oh, le machin qui me pète à la gueule. C'est normal, t'inquiète. Je n'avais jamais vu de Gobelin Babil rédigé par un gobelin. Réveillon. Les éléments sont extraordinaires. Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas. On ne peut pas retourner voir l'autre gobelin. Mais. En fait, c'est une affaire personnelle que t'en as fait. Du coup.
Bon, personne ici. Et j'avoue que du coup, ça se tient, le fait que l'autre ne veuille pas qu'il vienne avec moi. Pour pas se faire repérer, ça se tient totalement. Ça fait au moins le 6-7ème gobelin que je bute. Si c'était fait repérer, là on sait que c'est un traître. Hein, donc. Si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. Mais quoi? Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Pardon, merde, j'ai pas eu le temps. Désolé. Hop. T'as rien vu. Je suis ton meilleur ami. La bêtise. Hop. C'est lui là qui a failli me voir. Non. On va essayer de s'entraîner un petit peu en mode fufu quand même, ce serait bien. Alors. Il y en a un, je crois que... Voilà. Ta mère! C'est qui y va? Personne? Non, mais par contre, il y a un élément dans Harry Potter, on voit les gobelins avec des baguettes. Donc, il est évident que à un moment donné, leur ambition est ça. Qu'est-ce que c'était? L'impression que je pas. Ah non, il y a des collègues gobelins là-bas. Tu les vois pas? Mais voyons. Ne vois-tu pas qu'il y a d'autres gobelins dans le coin? Mais oh, comment tu peux ne pas t'en rendre compte? Peux-tu m'expliquer comment? Oui, non, mais t'es complètement nul, hein, je te le dis. Alors, lui, ça va être le problème. Parce que c'est lui qui va me repérer, forcément. À un moment donné, il va me repérer. Mais en prenant A, il y a lui aussi qui risque de me repérer. Le troisième, il y en avait un là. Ah, il est là. Voilà. Pratique ça. Alors lui. Voilà. Tu ne me dis pas qui c'est où je suis? Non, il sait pas. Il a vu son pote exploser, mais... Rien à foutre! Ah bon? Bah, je sais pas, ça me paraît logique, hein. T'es avec des gobelins dans le coin. Voilà.
Ça, faut faire gaffe, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça te bute. Ok. Là-bas, c'est la suite. Donc, non. Là, je vois quelque chose. Là-haut, j'ai vu des trucs. Là, on a un truc de déco. C'est quoi? Petite table de jeu. Oh, est-ce qu'on peut jouer avec? La grande question. Ah, je vois des gobelins là-bas. On n'a pas fini. On a encore plein de gobelins. Allez. On a ça, on n'a plus rien là-bas. Ici, on n'a plus rien. Là, on a un peu de pognon. J'ai l'impression que j'ai tout récupéré, sinon. Par contre, ouais, l'endroit où il y a que tout bouge. En fait, le forgeron, il a quasiment aucun boulot à faire. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de force qui soit apportée, mais bon. Les gars, ils font pas grand chose en fait. Hein. Tu enchantes la moitié des choses qui traînent. Ça y est, t'as plus personne qui bosse. La magie te ramène ta thune. Tout le monde vire professionnel du commerce. Ah! Oui, je sais. Oui, oui, non, mais je viens de le voir. Hein. Je viens dans... Je viens de me faire avoir, hein, mais j'ai failli mourir. Hein, du coup. Ok, bon, bah, apparemment, il n'y a plus grand chose à dire. Allez. Là, c'était le coin biologique et botanique. Donc, en gros, le coin, on en a rien à tirer. Ok. Oula. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que lui, c'est l'archer. Donc, lui, il va nous voir. Lui, je peux le tuer de suite. Pas de soucis, c'était facile. Ensuite. Je sais pas, toi? Non? Ça veut pas apparemment. Je crois en avoir vu un autre vers les hauteurs. Ah non, c'est pas toi. Ceux du centre, ils sont assez faciles à tuer parce que si je les chope, j'en chope un, j'ai l'attaque de doublon là. Lui par contre, il a pas mal la bougeotte. Donc je crois que ça va être lui a priori. Clairement, ça se fait. Hein. Voilà, les deux sont morts. Oui. C'est la mort. Attends, je crois que je les ai tous eus du coup. Ah si, il y en a un là. Comment suis-je censé l'atteindre? Bon bah écoute. Salut. T'as un bel oeil? Tu te présentes? Non?
Alors, ici, on a plus rien. Donc, faut baisser ça. Et... Ah, je crois qu'il y a un truc allumé là-bas. Tout ça... Attends. J'ai raté ça. Pas possible. Ah non, j'y suis pas allé, c'est tout. Uniforme de préfet. Ouais, non. J'ai vu à quoi ça ressemblait, un préfet. Non, c'est dégueulasse. Bon, alors. Ça, ça ressemble à un mont de charge. Voilà. Non, mais tu m'as... T'inquiète, tu ne vas pas me voir bien longtemps. Voilà. J'espère pas, parce que j'ai mis le collègue qu'il faut pas en danger. La porte, elle vient de m'ouvrir, s'ouvrir en plein dans ma tronche, dans mes yeux, dans ma gueule, dans mon... Hein. Je veux pas savoir dans quel état il finit la finale. Attends, par contre... Qu'est-ce que j'active du coup? On va bien voir, hein. Mais c'est évident que la quête est là-bas, donc c'est pas la sortie. Et moi, je suis un gobelin. Non, un nain, je prends tout. Je sais, mais c'est pas la sortie ici. Ah si, ça a l'air. Un spectrum. Oh. Je vais avoir le temps. Ultra ball. Hop. Parce que oui, j'ai des ultra balls moi. J'ai investi. J'en ai pas des masses par contre, hein. Alors, ici on a quoi d'autre? Rien d'autre, hein. On est d'accord. Si, on a un coffre. Ok. Je n'aime pas ça. Ils construisent des foreuses géantes. Trop grandes pour cette mine. Sortons d'ici et racontons à la Gox. Ouais! Ça fait cher quand même, hein. Point... Ouais, bon. Pour voir les stats, après. Enculé. Oh, merde. Ouais, bah tu as eu à la Pokéball et pas à la... Avec l'Ultra. Culé. Attends. Pas comme si ça coûtait pas cher une Ultra Ball, fait chier, merde. Bonjour. Nous allons ouvrir cette porte. IV16. Après les niveaux, je crois qu'ils se mettent automatiquement en fonction des besoins. Je sais plus. On va vérifier. Oh. Un diagramme magique. Pognon. Uniforme de préfet et chemise à cravate. J'entends des gobelins. Propre. IV sèche, c'est sur combien? Sur 45, non? Les IV. Je sais plus. 31. Ah ouais, donc il est plutôt. Regarde, le monde charge. Ah, ça fait plaisir à voir. Ouais, il a ses moyens quoi. Mais il est bon en attaque spé et speed. Hmm. Attaque spé qui peut être intéressant et. Ouais, faut voir.
Faut voir, côté PV, c'est combien? Putain, par contre, j'ai un petit coup de froid là, ça sent la fatigue. 21. Pas mal. Peut mieux faire, mais pas mal. Là, t'as peut-être moyen de t'en servir pour les combats, du coup. Bon, je sais que tous les combats que j'ai fait, je me suis fait défoncer. J'en ai fait 3. Oui. Et on est encore nombreux ce soir, du coup. Oh, on n'est pas si nombreux que ça. Hein. Mais ouais, là, on arrive. Je vais pas le cacher. Là, sous peu, c'est ta pause. Alors, ce n'était pas si terrible. Si, c'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie, même. Merci, Amit. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors, je te laisse. Lodgok, je ne vous oublierai pas de sitôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de cérémonie, adieu. Ouais, dégage, dégage. Je suis ravi d'y avoir été inclus. Du coup, bah ça, on va le faire vite fait. On est devant, autant le faire. On y voit quelque chose. Il y a quelque chose là, oui. Bon bah en gros ça doit tomber dans un trou. Voilà. Ça là, ça tombe quelque part. Donc en bas il doit y avoir un trou. Le trou il est là-bas. Donc on va faire une petite prédit. Alors j'espère que tu sais comment ça fonctionne une prédiction. One shot. 8. Non. On va mettre la minute, comme ça t'es sûr de comprendre le concept. Ne plus afficher, j'ai compris. C'est parti. Est-ce que ça va rentrer au one shot? Ou pas du tout. Donc du coup, il faudrait que j'y revienne. A savoir que si tu as raison, tu gagnes ce que les autres auront voté. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde derrière. Donc, c'est quoi? Ah merde, je peux pas. Ah, c'est con ça. D'un autre côté. Allez. Hop. Allez. Allez, le trou, il est là-bas. Il en est où? Il est là. Il compte... Ah! Bah non. C'est con? Et d'accord, c'est trop loin. Ah! C'est con ça! Ok, j'ai compris. Je fais ça et je termine la boule. Bon bah c'est pas du one shot hein. Ah bah pas moi. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où il pourrait chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui. Si vous partagez le point de vue de Ranrock, pourquoi m'aidez-vous? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris. Bon, bah dommage, hein, t'as perdu 250 pierres. Pierres d'or, enfin or.
deuxième quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou hautaine. Mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Oui. Mais comment avez-vous... Les pousses de figues. Il m'a parlé de ses recherches. Mmh. Je sais pour le réceptacle. Ah. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins. Mmh. Avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul. Nous avons pris congé et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrock sont arrivées et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrock était ravi de notre découverte. Mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée... Vous pensez que Ranrock l'a tuée? Je ne veux pas y croire. Mais... je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock. Les transformait tous. Je ne pouvais plus être mêlé. Merci, Lodgok, de m'avoir dit ça. Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Bragbor. Mais ceux qu'il a trouvés suggèrent que Bragbor avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Pardon. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrock. Attendez, mon hibou. Bon. Le point positif de cette guerre, c'est qu'on sait que dans Harry Potter, il y a des gobelins qui utilisent la baguette. Donc, le conflit qui est là donne raison un petit peu aux gobelins derrière. Je dis bien d'une certaine forme, parce que bon... D'un autre côté, bon, ça a toujours été comme ça, hein. Une guerre a provoqué... Eh, il est où le boulet? Ok, le boulet s'est replacé à sa place. À son point de départ, même pas, ma merde. Non, il est encore actif. Mais il s'est passé quoi? Ah, il est là, merde. Quel con. Bon, bah écoute, on réessaye. Eh, il tombe mieux là. Il tombe mieux. Ah, 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 bah non. Eh, oh, reviens. Fais pas le con. Non, non. Ok. Non ? Ok.
Ok. Stop. Ah, ça aurait été chaud quand même, malgré tout, hein. T'aurais pas dû croire en moi. Désolé. Pour le coup, je t'offrirai une bière que t'auras achetée. Tu vois le pack que tu ramènes en général. Je suis gentil, je pense à toi. J'ai vu qu'il y avait un défi de Merlin juste à côté encore. Là. Mais quand j'y réfléchis, j'ai plein de bières à fournir. Il y a au moins 3 personnes que je dois voir. Il y en a une qui doit partir au Québec, éventuellement un de ces 4. Mais je vais attendre que ça baisse. Hein. Il y a quelque chose à cramer, je sens. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose là. Ah. Non, alors ça, c'est à cramer. Il y a quoi d'autre? C'est évident. Mais les autres sont où? Ah, là-bas. Le deuxième. Le troisième. Il y en a un quatrième quelque part. Un, deux, trois. Et le quatrième serait où? Ah, le quatrième, le troisième, je l'ai vu, mais je le vois plus. Non. Le premier. Le deuxième. Le troisième est par là. Le quatrième est où? Apparemment, il y en a 4. Je vois que lui, par contre, je peux pas l'avoir d'ici. Parce qu'en général, vu que c'est un truc de temps. Le quatrième doit être disponible, mais d'ici. Je le vois pas. Je vois pas un quatrième. Là, littéralement, là, je le vois pas. Ok. Putain, il faut être prêt pour celui-là. Hein. Ah bah non, c'est bien, il y avait bien 3, mais il y en a un que j'ai pas dû toucher. J'ai pas fait gaffe. Bon, bah voilà. Même ici, on aura bien avancé. Du coup, on aura trop de trucs encore à faire. Putain, tous ces points blancs, c'est des endroits où aller. Tous, sans exception. Coffre de collection, c'est fait. Le hameau ici, il est fait, hormis un coffre. Ici, il y a une statue d'Emigise à trouver. Mais je sais même pas si je pourrais la voir. Ouais, ça commence à prendre forme, hein. Je commence à débloquer des trucs. À vider les endroits de leur possession, vous voyez. Camp polar du en haut, bah il commence à être vidé. Je vois qu'il y a un dragon ici. Même la map est animée, c'est quand même classe.
Non, franchement, la map, le jeu est bien, bien fait. Hein. Entre ciel et terre, tiens, on va aller voir pour lui. Parce qu'il me propose une nouvelle amélioration pour mon balai. Qui dit une nouvelle amélioration, veut dire meilleur balai. Et que je veux un meilleur balai. Je sais pas pourquoi, hein. Parce qu'il n'y a pas assez d'épreuves à mon goût. Mais bon. Et après ça, on va s'arrêter là. Ouais, je suis assez fatigué pour avoir froid alors que tout est fermé ici. Donc ouais, je vais m'arrêter là. Puis mon neveu qui est pas tombé malade, encore. Donc c'est un coup à choper une mère encore. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préola ? Oui, mon cul. Ok. Je pense savoir où et comment approcher les senteurs pour leur demander de protéger les idées. Retrouve-moi dans la forêt interdite. Ok. C'est bon ? Article de sport Babolet. Beau balai, pardon. Cette boutique animée du Préolard est tenue par Albi Wix et propose toutes sortes d'articles de sport pour sorciers, notamment. Le tout dernier modèle de balai, des rumeurs prétendent qu'Albi Wiki crée lui-même des améliorations. Bah, c'est pas des rumeurs, je les ai. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, dis-moi. L'accélération et la vitesse de votre... Ah, c'est bon ça. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Ah, par contre, tu peux acheter deux fois le même balai, c'est con ça. Du coup, tu sais plus, si tu sais plus c'est lequel que t'as acheté, tu fais la connerie. Tu risques de faire la connerie. Parce que bon, concrètement, c'est lequel que j'ai là, aperçu du balai. Cet article est d'excellente qualité. C'est celui-là que j'ai, je crois. Cet article est d'excellente qualité. Ouais, c'est celui-là. Donc si je veux tous les balais, faut tous que je les achète. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Braise filante. Bah, du coup, en fait, je l'ai pas. Ça me dit rien, il lui ressemble pas du tout. Ce balai fera votre bonheur. Non, il doit mettre de temps en temps un nouveau balai. Ça doit être ça. Merci de votre visite. J'espère que la nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Nous, on va la mettre. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé ? Vous me connaissez bien. Presque, je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les serpents cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous volez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. Je n'ai aucune inquiétude, monsieur Wix. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. Faites preuve de prudence, bien sûr. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'ai peur pour mon cul, hein, quand même. Rébellion. Par contre, j'étais persuadé que j'avais déjà pris ce truc, tu vois. Par acquis conscience. Allô, Mora. Comment j'ai pas vu ? J'ai fait trois fois le tour de la ville et je l'ai pas vu. Rébellion.
Par contre, je commence à déverrouiller des tout un tas de matos pour la maison. Ça commence à être de plus en plus intéressant, disons. Encore une ruelle que j'ai pas... Je disais que je devais me déco, hein. J'y suis encore. Par contre, je la mettrai pas ce soir la vidéo. Ok, toi, je t'ai trouvé. Donc on va passer tout de suite en mode nuit. Allez, oui. Tu es à moi à présent, demi-guise. Et faut les choper comme ça. Alors, pourquoi le gars il m'a demandé de le faire ? C'est qu'apparemment, la demi-guise nous fait voir la chose ou l'une des choses qui nous fait le plus peur. Et le type, apparemment, a extrêmement peur de quelque chose. Que la demi-guise, je lui montre à chaque fois. Je me souviens plus c'était quoi exactement l'objet. Du coup, on me demande d'aller chercher toutes ces statuettes à l'effigie de cette bestiole parce que, en gros, il en a peur. C'est le genre de quête un peu bidon, mais juste pour t'obliger à farmer la zone parce que ça te bloque l'accès à certaines portes. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Hein. Sinon, t'avancerais beaucoup trop vite. Ok. Encore. Mais littéralement, je les pille, les gens. Je sais pas comment tu peux te dire que c'est normal. Plus c'est fort, plus je suis prêt. Trois. Par contre, je vois des caisses là. Quelqu'un le voit ? Plus en plus loin, donc c'est par là. Réveilio. Toujours plus loin, donc par là. Je m'en éloigne. De plus en plus près. Trop loin. Je dirais que c'est vers le port là. Le là. Là. Ah, c'est Vislar quand même. Hein. Quai de la tête de sanglier. Les quais qui font face à la tête de sanglier sont un endroit très agréable pour s'asseoir et se détendre. Pour autant que cela soit possible quand on est aussi près des abominables événements qui peuvent se produire dans cette auberge manifestement louche. Et encore trop loin. Attends, peut-être qu'il faut rentrer dedans. Voilà.
Tête de sanglier. Cette tête de sanglier passe son temps à lever les yeux au ciel et à renifler tandis qu'elle surveille une clientèle vraiment intéressante dans une atmosphère sordide. C'est adorable de dire ça de ses clients. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour ce soir, en tout cas. Non. Mais vous avez conscience que ces sorts ont. Enfin, sortilèges ont un petit peu. Tendance à. À déborder. Par contre, j'entends encore un truc. Putain, il y a trop de trucs à chercher. Il y a trop de trucs à trouver. Attends, il y a quelque chose là derrière. Il y a quelque chose là derrière. Mini. Tu sais qu'il y a quelque chose. Il est là. Il est derrière ce truc. Il doit y avoir une cour dans cette baraque qui m'emmène derrière. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir, 65%. On va débloquer tout ce qui est débloquable, comme ça c'est fait. Ça y est, les gobelins c'est fini, j'ai plus rien à buter. Les chiens, mine de rien, il y en a encore beaucoup. Ça veut dire que j'ai buté 190 gobelins. Et que j'ai pas encore fini le jeu. Youpi. Je sens qu'on va. Ouais, je suis un génocidaire, hein. C'est pas autre chose. Hein. Voilà. Ici, on en est à 75. Hein. Toujours et encore et toujours. J'ai pas l'impression d'avancer tant que ça là-dessus. Ah, c'est des trucs qui vont dehors, ça. Là, pas forcément, apparemment. J'ai plus de la moitié, c'est bon. Oh putain, ah, c'est moche le casque de capitaine de Kodish. Oh, c'est moche. Tu peux pas dire que c'est beau, ça. Tu peux pas le mettre. Page 85 sur 150. Ça commence à se remplir, mine de rien. C'est des points d'intérêt, ni plus ni moins. Hein. Snubble, c'est échappé. Merde, on a raté le Klebs. Alors, balai du marchand, balai de défi. Donc, il m'en manque 3, il m'en manque un là. Donc, en gros, je suis quasiment au bout. Hein. Oui, on va mettre la deuxième amélioration sur le balai, comme ça, c'est fait. Bah, il y est déjà, apparemment. Bon. Sauvegarder. Hop, on en est à 40 heures de jeu. Ça va? 40 heures de jeu, 67% si j'ai bien vu. On est plutôt pas mal. Donc, on se dit donc à lundi sur Planet Zoo. On va continuer le parc aquatique. Là, je suis sur les galeries avant d'atteindre le tube. Donc, on avance bien. Donc, ouais. À lundi, des gros bisous. Portez-vous bien. Passez un très bon week-end. Merci pour les abonnements. Merci pour votre présence. Et puis, bah, des bisous. Ciao.